sont étroites. Merci les enfants, mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une moi aussi. Un peu de patience, je vais en cuire un pour vous. Ouais. J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Ah, moi aussi, moi aussi. Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Oh, mais moi, je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? C'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Ouais. Et moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. Ouais. Je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, d'accord. Tu écoutes bien ton frère. Oui. Ouais, c'est ça. Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. Je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Ah, et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà, je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre, cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Si tu crois que je vais ça le faire... Ça fait peur. Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Merci, Suzy. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire deux fois plus attention aux piétons. Je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté. Jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe. Et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh oui. Oh, c'est pas grave. Maman, on a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise. Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est gentil. Tenez, c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Des cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les
mes enfants, je dois admettre que moi aussi je les aime.